Bonsoir Winsou! Salut Linou, bonjour tout le monde! Comment tu vas? Au oh, top comme d'habitude et toi? Eh bien écoute, ça va, ça me fait plaisir de recevoir un amoureux des dinosaures sur la chaîne. <laughs> On peut au moins dire ça. On peut <laughs> au moins dire ça, c'est très très cool. Bienvenue à toi, bienvenue aux personnes qui sont euh, déjà connectées avec nous. Salut Bouba, salut Yves! Salut, boum, j'espère que tu vas bien. Alors en <laughs> effet, vous avez entendu du, du gros dubstep de Dino. Euh, <laughs> je, 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 je nous ai mis en route parce que la soirée, ce soir, va être dynamique. Vous avez vu les couleurs qui nous entourent? <laughs> ah, ça va être coloré, ouais. <laughs> Ça va être très coloré, très, très peps, très positif et, euh, et très dino. Donc j'ai hâte de parler de tout ça. Vinsou, et eh ben écoute, on va commencer par toi. Dis-nous en quelques mots qui tu es et, euh, mais dis-donc, c'est quoi les éditions du Crystallium Qu'est-ce que vous faites et depuis quand ça existe <laughs> Alors donc, moi, c'est donc euh, un vieux de 40 balais, comme on dit, euh, actif dans le milieu des jeux depuis, je crois, depuis toujours. Et euh, réellement, on va dire, entre guillemets, professionnellement, depuis quelques petites années. Où, euh, en fin de compte, il y a, y a quelques années, donc j'ai commencé à être auteur de, de plusieurs protos, euh, plus ou moins avancés, de jeux de rôle et de jeux de plateau. Et euh, suite à quelques expériences personnelles, on va dire, j'ai décidé donc de créer ma propre petite maison d'édition, donc les, les éditions du Crystallium, avec euh, comme principal but de repérer un petit peu les, les jeunes talents. Et quand je dis jeunes, c'est quel que soit l'âge, donc ou plutôt les nouveaux talents, voilà, et de, de les lancer et en leur donnant leur chance et surtout en préservant au, au plus possible le le, qualité, la, le le côté plutôt un peu indé de, de leurs travaux. Ben bah écoute, c'est excellent, et euh, tu sais que ça me tient à cœur les travaux des indés, donc je suis très heureuse de te recevoir. C'est exactement pour ça que j'ai voulu lancer la, la chose suite à pas mal de, de, de déboires plus ou moins importants dans le milieu éditorial. On pourra peut-être en parler plus tard, mais ouais. du coup je me suis dit bon, il va falloir que je fasse quelque chose pour pour pallier à ce, à ce petit problème que moi j'estime assez 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 présent. Donc euh, du coup je me voilà en tout cas pour essayer de. de tenter ma chance dans le dans le milieu et, et comme je dis depuis le début ben on ira jusque jusque jusqu'où on pourra aller le plus loin possible. Ben moi je te souhaite que ça aille très loin mais j'en doute pas parce que tu fais déjà des choix des choix très indé très <laughs> intelligents. Donc, merci, euh, merci. donc là franchement c'est un banger Cosmosor donc je pense que c'est en très bonne voie Et comme nous dit Boom dans le chat, ça détecte les nouveaux talents. Oui, c'est vrai. Y a, y a ça, ça, me... ça, dé, ça détecte ouais. ça détecte très très fort tout bon bah fait. écoute euh, c'est top alors du coup euh, en quelques mots je vais te poser euh, à chaque fois des questions à propos de Cosmosor et puis, euh, puis tu peux développer tout ce que tu veux euh, t'es pas obligé de, de répondre vite tu peux vraiment euh, étoffer euh, sur ma question il euh, n'y a pas de problème J'aimerais bien qu'on commence par expliquer un petit peu aux gens ben, qui est euh, Diogo Nogueira. Alors, moi, je sais euh, un petit peu, évidemment. Euh, je me suis renseignée. Euh, C'est un indépendant euh, qui, qui tabasse, comme on dit. Il est très, très fort. Il a déjà fait des choses très intéressantes. Est-ce que tu peux expliquer déjà aux gens euh, qui est l'auteur de Cosmosor Alors, c'est vrai que, comme tu viens de le dire, euh, je vais pouvoir prendre le temps pour un peu faire mes réponses. Comme on m'a déjà dit dans d'autres vidéos, n'oublie pas de prendre le temps de respirer quand tu parles. Et exactement. <laughs> Tout va bien, on a le temps, on a au moins une heure devant nous, voire un peu plus, donc euh, no stress. <laughs> Alors, Diogo Nogueira, c'est euh, un gros créatif euh, qui a sa petite réputation euh, outre-Atlantique. En France, pour l'instant, il n'est euh, pas très connu, on va dire, c'est quelques aficionados du, du JDR qui se Renseigne justement sur les petites pépites indées, etc. qui connaissent un petit peu son, son travail. Euh, en vrai, quand on se renseigne sur le milieu de l'indé, de l'indé anglophone et de l'OSR, euh, c'est pas vraiment difficile de tomber sur lui parce que c'est quelqu'un qui a son actif aujourd'hui en un peu plus d'une douzaine de jeux. C'est quelqu'un qui a aussi créé sa propre maison d'édition, Old School, Old School Publishing. Donc, de par ce biais, c'est quelqu'un qui quelque part s'affranchit de certaines règles un peu contraignantes de certaines grosses maisons édition territorial et qui se permet un peu de, de tester, d'expérimenter toutes sortes d'univers et de, et de systèmes. C'est quelqu'un qui, euh, qui aime toucher à tout. Donc, euh, il essaie, il teste, il expérimente, il prend des retours d'énormément de, de, de groupes de tests et de joueurs et, euh, et de, de tous les, les MJ qui pratiquent ces, euh, ces jeux euh, donc, euh, dans le monde, essentiellement outre-Atlantique, mais j'espère de plus en plus bientôt en France. Et euh, c'est quelqu'un qui, de par euh, tous ses travaux et son implication dans le, dans le milieu du JDR et euh, de par sa volonté de, de mettre les joueurs à l'aise de tous ces tous ces groupes de joueurs euh, donc à l'aise et dans une ambiance le plus le plus sécure possible euh, c'est quelqu'un qui a eu le lenny award de 2001 si je dis pas de bêtises dans la catégorie des game designers donc euh, c'est pas une récompense à, à prendre à la à la légère si je puis ouais, dire c'est cool donc c'est quelqu'un qui est euh, voilà un gros créatif qui est vraiment ouvert à toutes sortes de de, de, de mouvances et qui euh, met au service des, euh, des autres ses créations pour le, un prix le, le moins le moins élevé possible car il a vraiment dans la volonté de travailler pour créer pour faire partager ses, euh, ses travaux euh, j'ai pu en discuter avec ça avec lui car je l'avais justement posé la question quand on a commencé à discuter à propos de Cosmosor euh, pour ce qui est notamment de la, de la communauté de jeu du, du Brésil, parce qu'à la base donc du Guanabara, ouais. et euh, il m'a en gros expliqué que la communauté du uniquement donc du Brésil était très très toxique, et c'est pour ça qu'il travaille directement en, en anglais, donc lorsqu'il fait une nouvelle production, ça part directement sur Echillio, et ensuite avec une formule qu'il y a pas mal de gens qui connaissent, c'est le Name Your Own Price, le, oui. si j'ai pas un anglais, un accent un peu trop pourri. Non, c'est euh, souvent. C'est en fin de compte, tu, 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 payes, tu payes ce que même, tu bah. estimes être le bon prix pour son jeu, en gros. C'est tout à fait ça. Donc, si tu n'as vraiment pas de sous, si tu n'es pas très gentil, on va dire, bon, bon tu donnes un euro ou un dollar. Si tu es un peu honnête et euh, bah, tu mets au moins 10 ou 15 balles, ah, ça permet à, à tout le monde de manger au passage. L'auteur est content parce qu'il fait trois sous sur sa production. Et, euh, et c'est comme ça que lui, en tout cas, fonctionne. Et alors, si, euh, si je ne me trompe pas, donc il a fait euh, Primal Quest aussi. Euh... Euh, Diogo euh, euh, Noguera, et je crois que ça a euh, bah, très bien marché. Je ne sais pas si c'est là qu'il a eu son Emmy Awards ou pas, mais en tout cas, euh, il me semble que c'est un jeu assez réputé. Euh aussi dans, dans sa gamme euh... Alors Primal Quest, c'est ouais. sa dernière nouveauté. Enfin, c'est sa dernière nouveauté, c'est sa nouveauté. Donc, son dernier jeu, c'est un jeu dont il est euh, très fier. Il communique beaucoup, beaucoup sur, euh, sur ce jeu sur les, euh, sur les réseaux. Euh, c'est un jeu, que, bon, je ne pourrais pas vraiment en parler dans, dans le détail puisque je ne me Bien suis sûr, pas ouais. vraiment super renseigné, mais en gros, ça mélange paléontologie, euh, homme de Cro-Magnon et apparemment extraterrestre qui tire des lasers. Donc, euh, on est encore un petit ah, peu dans. Ah, la... ah <laughs> il, aime, il aime les lasers, quoi on... Ouais, il aime bien. les lasers, il aime quand ça brille, il aime quand c'est cool. flashy Et euh, c est, c est son, en gros, c'est son nouveau bébé. Il consacre beaucoup de temps à, à faire des, des mises à jour récurrentes et faire des, du nouveau contenu sur, sur ce jeu. Et, euh, et il est aussi en ce moment en cours de, 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 de CF pour la, la VF chez nos camarades de la Nutroliste. Ok, bah, écoute, trop bien. Et toi, comment tu es rentré, enfin, toi ou, ou les éditions du Crystallium, on va dire euh, Je ne sais pas si vous êtes plusieurs ou si, si c'est juste toi. En tout cas, comment vous êtes rentré en, en contact la première fois avec Diogo et comment s'est fait le contact bah, pour traduire son jeu Cosmosor, du coup Alors, pour le coup, chez nous, chez les éditions du Crystallium, on est, on est deux. Donc, moi et mon grand camarade Arnaud qui m'accompagne dans les, dans, les, dans les festivals, même si les dernières fois, il était, il était un peu moins présent parce que depuis, comme on dit. J'ai une livraison express d'autres. <laughs> <laughs> comme on dit depuis arnaud bah, il a une vie donc euh, forcément il a un Merci. petit peu moins de un peu moins de temps à consacrer au, au festival mais il reviendra c'est il reviendra, pour il reviendra. Mmh. et euh, pour le coup donc comment ça s'est passé avec euh, notre rencontre avec euh, diogo et bah pour le coup c'est totalement de, de ma faute si je peux dire c'est ma faute j'avoue <laughs> j'assume bah, euh, cool c'est découvert... grâce à toi, plutôt, je pense, on va dire. <laughs> J'ai découvert Cosmosor, ce qui s'appelle de manière totalement hasardeuse. Comme on dit, c'est les meilleures rencontres qui se passent de cette manière. Et ben bah, là, mm. on peut... On peut... ça n'a jamais été aussi vrai. Euh, j'étais en train d'écouter une émission de... qui parlait de... de jeux de rôle sur, sur YouTube. C'était, euh, je crois, quelque chose comme l'année dernière. Et euh, j'écoutais même pas vraiment, parce que j'avais mis ça en fond sonore. Ça parlait plus ou moins de, de cinéma, de... de JDR, de pas mal de trucs. Et j'étais en train de faire autre chose à côté. Et euh, d'un coup, j'entends le mot qui, qui me permet dans la tête, pim, Cosmosor, le jeu de rôle avec des dinosaures dans l'espace. Ah, tu t'es dit ok. <laughs> ouais, okay. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire, je me suis jeté sur le PC, je suis revenu un petit peu en arrière pour, pour vérifier que j'avais pas eu la berlue parce que moi, comme je suis très perché avec les dinosaures, j'ai aussi une grosse imagination de mon côté, donc je me renseigne. Donc je retrouve vraiment, le ils avaient vraiment dit ça, Cosmosor, le jeu avec des dinosaures dans l'espace. Je me renseigne immédiatement, je tombe donc sur bah, le jeu Cosmosor de Yuuonogira euh, sur d'ailleurs sur ichio et, mmh. euh, comme on dit, j'ai acheté euh, totalement à l'aveuglette, hein. En plus, j'ai été conquis par le, par le design. Par le design. Mmh. Le design vraiment fou de Lukas Kowalskuk. Et cette fois, j'arrive à le dire pour à le prononcer correctement. Qui est un créateur de comics polonais. Ouais, on va revenir sur tout un... ça, on va montrer des belles images parce que c'est incroyable aussi. Ah, mais c'est, il a une pâte artistique ouais. complètement folle et surtout le, la pâte artistique complètement folle qui dessine euh, reflète parfaitement l'ambiance qu'il peut y avoir à table. Euh, donc, euh, ma rencontre avec Osmosor, elle s'est faite comme ça. J'ai acheté le PDF. Euh... Coup de cœur immédiat. J'ai euh, commencé à le faire jouer une fois, deux fois, et je me suis dit, mais euh, attends, mais ce, ce serait quand même pas mal de proposer. De l'entrer en, euh, en, en français <laughs> au, au catalogue, ouais. De, de proposer, euh, hop là, une petite VF, ou au pire, au euh, moins dire à l'auteur, euh, coucou, j'adore ton jeu, et euh, continue comme ça. Et euh, j'ai simplement commencé à écrire à Diogo sur, euh, sur les réseaux, je crois que c'était directement sur Messenger. Il m'a répondu et. Euh, il m'a répondu donc, de manière très gentille, très, très accueillante et, euh, et agréable. Et en fait, on a commencé... Donc, Hugo, c'est oh, un peu un vieux comme moi. Hein, je crois qu'il a un an de, de moins que moi. Donc, quand on se parle de, de rêves des séries de quand on était un peu euh, jeune, on, on parlait un peu la même langue quelque part. Et euh, on, donc, euh, on a commencé à parler de, de, de vieilles séries de dinosaures et de... Qu'est-ce qu'il a, qu qu a utilisé comme inspiration qui, qu qui mm. voilà, donc, euh, Il a inspiré. Voilà, donc il a eu principalement comme inspiration une vieille série qui s'appelle Dinosaur. C'est des jeux, c'est mm. une, une vieille série où il y a, il y a bah, des dinosaures humanoïdes avec des gentils contre les méchants. Bon, non, ensuite c'est un, un vieux dessin animé, donc il y a aussi des, des enfants qui sont au milieu. Les... C'était une vieille série américaine, donc forcément il y a, il y a toujours des gosses au milieu qui, euh, <laughs> qui se mettent Ils en jeu. Qui font les aventures avec oh là, les dinosaures qu'il qui qui faut se sauver. En... C'est ouais. ça. Donc a, après il y a les dinosaures qui venaient, donc, Diogo, c'est est en partie basé, basé sur ça. Et euh, vu qu'on a commencé à discuter en très bonne entente, la, la, je vais proposer s'il était à la base d'accord pour faire une, une petite VF. On a commencé à discuter sur, sur pas mal de trucs. Et puis euh, maintenant, le, le projet est lancé. un bien, écoute, félicitations, c'est trop bien. Parce que du coup, vous travaillez, euh, vous êtes une petite maison d'édition et vous travaillez avec un indépendant que vous pouvez mettre en avant et qui est un créatif. Euh, vraiment euh, qui, a, qui a vraiment beaucoup d'énergie enfin en tout cas moi c'est ce qui me renvoie comme euh, comme vibe c'est qu'il est il a beaucoup d'énergie il fait beaucoup de projets il est très dynamique donc c'est top et alors comme tu disais ouais j'aimerais bien qu'on passe un petit moment avant de rentrer dans les détails plus techniques sur les règles et, et le jeu en lui-même bah, qu'on parle un petit peu du design parce qu'il est euh, quand même incroyable ah, D'ailleurs, tiens, je fais un coucou euh, euh, pendant cette vidéo au vieux geek. Vieux geek, si tu nous entends, te fais le coucou parce que je sais que tu, le dit, tu, hein. tu as une vidéo aussi dans les tuyaux à propos de Cosmosor et que tu as beaucoup aimé. Tu, et, et, et tu en discutais euh, ce week-end, donc j'espère que, euh, que tu nous verras et on regardera aussi ta vidéo. C'est vrai que pour le coup, vieux Guy, que je l'ai contacté aussi pour, euh, pour s'il si serait OK de faire une vidéo sur la, la sortie prochaine du, du jeu, bah ouais. ou en tout cas du, du crowdfunding. Il m'a dit qu'il ne connaissait pas du tout, mais vu que lui aussi, il est assez ouvert et qu'il aime découvrir. Donc on a commencé à discuter du jeu. Il a dit, bah, bah, envoie-moi le PDF, euh, on va voir ce qu'on ce qu en fait. Et puis d'après ce que j'ai pu lire sur, euh, sur sa réaction, il a eu un, un petit gros coup. De cœur pour, eu un... euh, pour Cosmosan ouais. et pour Diogo Negra et sa façon de faire c'est euh... ça mais en fait je pense que justement il y a vraiment un truc à propos de bah, du design et de l'OSR mais on viendra sur la sur l'OSR parce que ça c'est plus on va dire la technique euh... mais moi voilà je voulais... je voulais montrer un petit peu hop, les designs euh... est-ce que tu peux nous répéter même si je sais que c'est difficile le nom de... De... de la personne qui fait tous les les chouettes designs du jeu alors, il n'y en a qu'un seul, donc c'est Lucas Kowalskuk. Lucas Kowalskuk. Et Kowalskuk, je avec je, plein je, je, de K, de W, de Z. De... Bon, je t'écrirai son nom après. Eh bien, ouais, si ouais, au pire, tu me le donneras après l'émission, puis comme ça, je pourrai ouais, le mettre ouais, dans, ouais. Les, dans les crédits euh, ouais, sur YouTube. Sûr. Mais donc, ouais, donc là, on a vraiment... Alors, bon, Je pense que tu sais un peu nos engagements euh, chez nous euh, par rapport euh, au design euh, artistique, et puis au fait que ce soit des vrais humains qui fassent vraiment les... Les créations et, et les dessins. Alors, moi, je suis amoureuse du, du design hein, avant toute chose. Donc, les gars, j'espère que vous voyez ça chez vous. Euh, je, je vais vous montrer euh, plusieurs, euh, plusieurs trucs. Hop. Donc, on a plein de design. À chaque fois, on peut remarquer que ben, c'est très coloré, c'est fluo, euh, c'est hyper dynamique. Ça respire le, le côté un peu rétro en même temps. On sent une vibe euh, comics rétro euh, d'antan. Euh... On, on sent complètement l'inspiration rétro que, de, de Lucas qui a, qui a aussi une quarantaine d'années. Donc, euh, lorsqu'on parle de comics avec lui, il va te sortir des références, mais. Euh... Totalement indé, il est très inclus et très influent dans le, dans le milieu des, des comics. Il, euh, il fait lui-même son, son propre comics. Et, euh, dans, lorsque tu parcours les pages, c'est comme si les, les dessins prenaient vie devant toi. Lorsqu'on regarde n'importe quel dessin, comme par exemple là, celui-là sur les pirates zombies, c'est une des factions ennemies de, de Cosmosaur. Oui, les pirates zombies, tu as bien entendu. Là, bon, bah, on peut voir un gros T-Rex rose qui croque des, des ninjas qui font du surf dans l'espace avec un autre pirate devant qui, euh, qui sort euh, une. Grosse mitraillette. Grosse avec mitraillette, un, euh, avec, euh, avec un robot cybernétique, euh, apparemment un troisième œil. tu te dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Et tu t'imagines parfaitement tout le dessin entièrement bouger devant toi. Bah c'est top. Et, à, et ouais, on n'en a pas encore parlé, mais je vais, je vais forcément te poser des questions sur les bah sur les playtests et les parties, parce que je pense que là on est sur du fun, euh, du, du gros fun hein, euh, sur, le, sur le jeu, quoi. Alors, on est en effet sur du gros fun, du gros épique et du, euh, du, du, de la bonne grosse ambiance euh, années 80, série, des, série de G.I. Joe, euh, ce genre de choses. Donc, euh, concrètement, en gros, il y a, y a des, des méchants qui foutent la merde quelque part dans, dans l'espace et puis euh, allons-y, Cosmosor, let's go euh, dans, or, mmh. dans notre vaisseau spatial. Le, la vraie base du jeu elle est elle est en gros ici mais euh, la manière dont elle est faite c'est la manière dont elle est écrite dans le bouquin et la manière dont, euh, dont elle est retransmise et comme j'essaye en tout cas de la de la faire retransmettre à mon à mon tour aussi c'est qu'elle est faite de manière extrêmement sage et maîtrisée et euh, vraiment mature c'est à dire qu'il s'agit pas de prendre simplement un gros méchant contre euh, trois gros gentils avec des lasers et hop, tout le monde se balance euh, sous, tout le monde se fout sur la gueule en, en lançant des dés derrière, il y a une vraie notion de de, de critique de critique sociétale par rapport mmh. à chaque à chaque ennemi qui qui ont leur propre leur propre petit, petit trait de caractère et dans dans lesquels on peut vraiment faire des scénarios très très intelligents, très intelligents. Et euh, c'est pas seulement voilà euh, un cadre un cadre spatial avec des bêtes dinosaures qui, euh, qui font des, des aventures épiques tout ça par derrière le rideau c'est euh, écrit d'une d'une main de maître par quelqu'un donc qui a été euh, Ely Howard qui maîtrise son sujet et lorsqu'on décrit lorsqu'on lit ensuite toutes les les, les descriptions des, des ennemis on comprend mieux on ce qu'il a voulu dire derrière chaque ennemi et, euh, avec tous les à, tous les comment dire toute la boîte à outils qui est fournie avec le, le livre de base on peut vraiment faire des, euh, des scénarios très intelligents avec un vrai avec un vrai fond qui veut dire quelque chose ah et ben écoute euh, on va je pense qu'on va on va rebondir sur ça alors on va profiter que tu aies commencé à esquisser les contours de ce que raconte Cosmosor ben, pour aller plus avant euh, dans le dans le jeu euh, donc euh, donc ben, qui on interprète et justement qui sont nos ennemis dans Cosmosor et que, que font les joueuses que font les joueurs à Cosmosor quel genre de dinosaures ils sont et qu'est-ce qu'ils ont à faire eh bien, vous êtes donc des dinosaures, vous faites partie de la Cosmosaure, qui est une force d'élite de dinosaures de l'espace. Vous êtes donc des agents d'élite formés à la lutte contre le mal et contre, et la lutte dans toute la galaxie, contre toutes les menaces qui peuvent, qui peuvent y avoir. Donc, vous êtes donc des dinosaures humanoïdes. Vous êtes donc sur, sur deux pattes arrière avec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez parfaitement utiliser vos deux petites pattes avant. Donc, conduire un vaisseau, tirer avec des fusils, utiliser des clés pour entrer dans une porte. Voilà. <laughs> c'est tout à fait ça. Euh, vous pouvez être les dinosaures que vous voulez, donc vous avez accès à toute la, enfin toute la totalité des, euh, des, des espèces de dinosaures qui peuvent exister. Donc euh, on s'en fout du triacide du Jurassique, du Crétacé, etc. C'est voilà, on met tout, euh, on met tout en tout, 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 dans le même dans le même sac. Et qui sont les méchants eh Bien en gros, pour l'instant, les méchants euh, sont répartis en cinq catégories. Donc enfin, c'est cinq catégories qui sont Répertorié dans le bouquin de base, mais rien ne vous empêche à vous aussi de faire créer, ou des, ou des mélanges, ou... bien sûr, ouais. d'en créer. Donc, pour les cinq euh, ennemis qui sont actuellement présents, donc qui sont en gros pré-machés pour les, pour les aventures des joueurs, euh, on a donc les, euh, les pirates zombies, donc en gros, bon, bah, qui sont simplement des pirates de l'espace un, un petit peu classiques, hein, les mecs qui attaquent, c'est un peu les crados qui attaquent les convois, les convois commerciaux, qui font un peu chier le monde à droite à gauche, qui mettent en danger les, les traités de paix entre les planètes, etc. Vous avez les, euh, les robots, euh, l'Empire des robots. Donc, eux, en gros, c'est du Skynet. Hein. Donc, euh, c'est Skynet, ah, Terminator, c'est l'intelligence artificielle. Donc, euh, si jamais tu as des idées pour dénoncer un peu des travers de l'intelligence art artificielle, bon, bah, alors là, tu peux te faire plaisir avec l'utilisation euh, mmh. de l'Empire des robots euh, dans, toutes les, euh, dans, dans, toutes les, dans tous les sens du, du terme. On a les... Euh, les slimes géants, donc les slimes géants, en gros c'est un peu une parodie ou un hommage de, au Jabba le Hutt, donc à tout ce qui est ah, le, cool. de, de Star Wars. Donc mmh. c'est un peu des gros tas visqueux, dégueulasses, et qui euh, contrôlent tout ce qui est marché, marché noir, les, euh, la finance, etc. Donc euh, là, quelque part, le, les, les travers de la finance euh, qu'on connaît actuellement sont parfaitement retransmis. Voilà, dans les dans, slimes avec ces espèces de gros dégueulasses qui décident de tout et qui font un peu des coups en douce, qui décident de la, de 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 de, de faire des circuits parallèles pour pour alimenter leur marché noir, etc. Donc tout ce qui est euh, marché illégal, etc. Ça, ça va y avoir de, des slimes dessous. Et euh, et enfin, d'un euh, dernier, un dernier, un dernier, euh, un dernier ennemi, c'est, euh, ce sont les brocoloïdes qui euh, qui ont un autre nom oh, oui qui ont un autre mot, mais je peux, je crois que je crois qu'on peut pas le dire tout de suite parce que sinon la. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est <laughs> ceux qui ont une bannière rouge et noire et blanche très évocatrice quoi, bien voilà, sûr. Voilà. Ouais, ouais. Et euh, eux, bah, c'est une dictature, euh, quoi, en gros. Ils des... vont, vont te proposer exactement ce qu'on va attendre d'eux. Hein. Mmh. Donc, euh, mmh. la, la, les lois, il faut te foutre des lois martiales. La loi martiale, la, ouais. Te faire des, des gains de territoire ou autre par la force. Et euh, typiquement, je me suis servi d'eux une fois pour faire un scénar à, un peu à la base de, de, de chasse au trésor. Donc, euh, bah, voilà, on, on comprend peut-être mieux. Je pense qu'on comprend bien, euh, qu bien la référence, quoi. Ouais, ouais. Et euh, par exemple, euh, j'ai envoyé donc les Cosmosor à, à la recherche d'un artefact euh, euh, perdu suite à euh, des, euh, des chercheurs qui avaient décryp décrypté une vieille prophétie. Ah bah oui, et, ah bah oui, bien sûr. Donc euh, c'était totalement du. C'était l'Arche d'Alliance un peu. Euh... Voilà un truc comme ça. Donc c'était sur les écailles, euh, les écailles dorées du dragon oublié. Euh, donc euh, je les ai envoyés. Donc à la base, on avait fait une petite enquête où euh, fallait aller d'une planète à l'autre, etc., pour euh, pour résoudre un, une petite une petite chasse au trésor, pour les envoyer finalement sur une planète. Euh, final où il y avait donc ils étaient tombés donc dans une dans une dans une embuscade des brocoloïdes avec euh, avec donc leur chef euh, le, le chef de le chef du régiment qui les attendait qui les attendait en piège le, le, le commandant Steiner avec une feuille de chou que je lui avais mise sur le côté comme ça et puis une petite excroissance <rire> euh, <rire> une excroissance de boutons verts de, euh, boutons, de, ouais. de petits points sous le nez et puis ahah Kosmosor ah, nous savions que vous alliez venir ici bon voilà du coup c'est parti un peu dans ce délire là mais euh, avec ce scénario, non, ben voilà, on, on a, on a l'un des participants qui était avec nous et euh, entre, entre mon, mon accent euh, qui est euh, mauvais non qui est excellent <laughs> plus euh, certains, euh, certains, pans, euh, certains pans sociologiques qu'on peut, qu peut dénoncer à travers tous ces, euh, tous ces ennemis il y, y a vraiment moyen de, de faire quelque chose de, de profond et de pas si superficiel que ça ouais c'est top finalement c'est un peu l'humour et la comédie et la parodie au service d'histoire un peu plus sérieuse finalement euh, et des choses qu'on peut, qu peut raconter dedans quoi alors en fin de compte euh, un jeu comme Cosmos je vais le prendre un petit peu. Je ne sais pas si tu connais le mmh. réalisateur Mel Brooks. Mmh, carrément, oui, ouais, Alors, Mel Brooks, c'est pour moi mmh. un génie de l'humour et du, du parodique. Mmh. C'est quelqu'un qui, euh, qui, aime, qui aime beaucoup rire de tout et qui le fait savoir dans tous ses films qui sont essentiellement des parodies de... De, de films ouais, voilà, ouais. voilà, de grandes sagas connues. Donc, mmh. euh, parodie de Star Wars et Spaceballs. Il a fait euh, Frankenstein Junior. Euh, parodie de Dracula. Bah Dracula, j'adore fait... ouais, celui-là. Il a fait... Ouais, moi aussi, de fou, sacré Robin des Bois, c'est aussi lui. Donc, euh, alors, c'est un humour très gros, très gras qui tâche. Et il euh, y a des fois, tu... <laughs> je pense que si, bon, moi j'étais mort de rire quand j'avais 14 ans, euh, y a certains trucs, je pense que si je le regardais encore aujourd'hui, je serais mort de rire, mais pour une autre... <laughs> Pour d'autres raisons, raison. parce que tu le comprendrais différemment, ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais je compare un petit peu ça avec l'humour de Mel Brooks, dans, dans, dans le sens où, dans la forme, c'est euh, vraiment du gros délire. Et on dirait que ça va n'importe comment, que ça, va, que ça part n'importe où. Mais en fin de compte, pas du tout. C'est un humour qui est très maîtrisé et euh, qui sait où il part et qui sait où il va te mener. Et euh, que derrière, donc, ces grosses conneries, il y a, y a toujours un, un, un fond intelligent à, à creuser. Et, à, à ne pas prendre la chose uniquement pour, pour ce qu'elle a l'air d'être. Eh bien, écoute, ça donne hyper envie. Euh, J'ai hâte d'en savoir plus. Alors, on va rentrer, bah, si tu veux bien, dans les détails un peu plus euh, précis et, et techniques à propos euh, du jeu. Euh, allez, dans l'ordre. On va peut-être commencer par. Euh, ça me paraît très raisonnable. Le système, peut-être, on peut parler un petit peu de, de son fonctionnement. Alors, pas en détail, parce que c'est toujours long d'expliquer les systèmes. Si je ne me trompe pas, on est dans, du, <laughs> dans de l'OSR euh, euh, sur, euh, sur ce jeu-là. On est complètement dans de l'OSR, et pour ce qui est de ta petite crainte d'un système. Ça, trop ça risqué, va vite. Là, ouais. Ça va aller très, très vite. D'accord. Euh, le jeu se joue uniquement au D6. Lorsque mm -hmm. tu crées ton, ton personnage. Alors, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a que deux. Euh, hop là il il mon, mon, parle voilà il y a que deux attributs dans le dans le jeu donc deux caractéristiques principales le cosmo et le Zor. à chaque fois que tu vas faire ah. une action tout Déjà, ce ça c'est hyper cool. Okay. Ah, mais le, le... Encore une fois, le jeu, il est à l'image de ce que l'auteur mmh. veut faire transmettre. Donc, on, on fait un truc de simple, concis et, euh, et on va à l'essentiel. Et surtout, on ne tabasse pas ni le MJ qui va, qui va lire les règles et qui va mettre une heure à expliquer ça aux joueurs en début de partie, ni aux joueurs qui va immédiatement savoir jouer au jeu en lisant sa, sa, fiche, sa fiche de perso. Donc, il y a uniquement deux caractères dans le jeu, le Cosmo et le sort. Lorsque tu veux faire quelque chose de d'intelligent, de, enfin, d'intelligent, où euh, tu vas devoir réfléchir ou une interaction sociale, faire de la réflexion, de l'enquête, etc., ce sera un jet de Cosmo. Et lorsque tu voudras faire quelque chose de physique, de la bagarre ou autre, c'est du c Zor. C'est le Zor, bah, bien sûr, hein c'est logique. Tu, lorsque tu crées ton perso, tu as cinq points à répartir entre les deux, avec un minimum de un dans au moins l'une des deux carac. Et lorsque tu veux faire une action, c'est ou du Cosmo et du Zor, tu lances autant de D6 que tu as de, de, de ton score, et c'est la face la plus haute qui est ça s'arrête là. Ensuite, on a okay. un petit oui. système de, de compétences avec des, euh, des good at et des bad at, donc des choses où tu es bon dans les choses dans lesquelles tu n'es pas bon. Là où tu es bon, tu lances en plus là où tu n'es pas bon, tu lances en moins. Un petit système de difficulté où si tu fais euh, plus tu fais quelque chose de difficile, de fou, etc. Bah tu vas avoir un petit malus à ton jet de dés. Euh, les joueurs sont des dinosaures, donc faut pas oublier qu'en cours de partie, qu'ils ont leurs attributs de dinosaures. Typiquement, même si j'ai un scientifique euh, Triceratops, donc un scientifique qui est donc quelqu'un de pas très physique, mais quelqu'un de beaucoup plus intelligent, mais qui a toujours bah, ses trois cornes hein. euh, lorsqu'il va faire un jet, par exemple de charge sur. Euh, sur un pirate de l'espace qui va, qui va le menacer. Bah donc, il va utiliser ses, ses, ses attributs de, de triceratops de dîme, en utilisant de trinché, ses cornes. Ouais. Ça va lui faire un bonus d'un dé en plus à, à songer G. Ah, c'est trop euh, bien Il y a donc, euh, par exemple, même l'ankylosaure qui a, qui a donc une, une grosse masse osseuse au bout de sa queue. Et bah, lorsqu'il va vouloir défoncer une porte en utilisant donc cette masse osseuse au bout de sa queue, et bah, ça va lui faire un dé en plus. Un, un dé supplémentaire. Su, suffit que ce soit en plus un bourrin et... Donc, alors moi euh... si par exemple j'étais un vélociraptor et que j'étais la petite futée est-ce que j'aurais un dé en plus pour faire un truc euh, très intelligent résoudre une énigme genre par exemple ah bah ça, alors ça va dépendre de, 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 <laughs> de l'archétype de ton personnage ouais. c'est-à-dire que donc euh, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas, pas dit au... quand on parlait tout à l'heure de, des personnes mais donc vous êtes des dinosaures vous avez accès à toutes les espèces de dinosaures mais vous avez aussi accès à toutes les, toutes les cordes de métier qui existent donc mm. euh, ton, ton raptor ou ta raptrice tu, peux la, tu pourras donc la, la faire en scientifique en enquêtrice en que tu veux euh, dans les good dates, et eh bah ben, tu vas avoir euh, réflexion, enquête, pistage, etc. Lorsque es avec un, euh, mettons, un score de 3 en cosmo, lorsque tu voudras par exemple pister euh, des traces au sol, bah, ce sera donc un jet de cosmo plus 1 parce que euh, tu as la compétence parce que c'est des... genre euh... ouais, ok, d'accord. Mais ben c'est très très cool et ça donne hyper envie d'essayer. Donc euh, toi tu as fait plusieurs parties, tu nous disais tu l'as beaucoup testé, euh, tu l'as fait en convention aussi bah du coup au hasard je viens de comprendre mais oui tu avais même fait essayer à une de mes copines du coup. Euh, au fige <laughs> du oui, coup. Oui oui oui. Et euh, et alors du coup l'ambiance à la table est-ce que ça est-ce que ça rigole, est-ce que est-ce que c'est enfin ça a l'air d'être un jeu exaltant. Ben, moi j'ai l'impression quand tu m'en parles que ça peut être des parties euh, où il y a vraiment beaucoup d'exaltation, enfin, ça a l'air euh, dynamique. Je... Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, quand tu as testé le système, toi, ce que tu as eu un peu comme, euh, bah, comme partie, ce que, ce que tu as aimé euh... Alors, en partie, on se marre beaucoup. Euh, faut savoir, je pense que aussi c'est lié au fait que ce soit moi qui maîtrise le jeu. Ouais. Euh, J'ai l'impression que Diogo, en fait, il a fait ce jeu pour moi, en fait. Ah, <laughs> J'ai euh, vraiment euh, une, une facilité d'approche de, 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 et de, de même complètement parler de fusion avec, euh, avec ce jeu dinosaure moi je suis totalement fou et ouais. le space opéra la science-fiction je suis totalement fou ce jeu ça rassemble les deux alors si avec ça on n'a pas le, le combo le combo gagnant donc ça fait que à la table on rigole beaucoup alors des, bon, déjà le simple fait de jouer des dinosaures dans l'espace déjà ça fait rire les gens euh, je ouais. te cache pas des fois euh, quand tu as des gens qui viennent nous voir en stand euh, et qu'on leur parle de dinosaures dans l'espace ils trop bien un peu comme ça genre pff, ouais bon d'accord bon, je vais aller voir des je vais aller ouais. voir des JDR Sérieux, avoir des JDR sérieux, qu'est-ce que je te dise euh, Ça fait que lorsqu'on euh, lorsqu est à table et qu'on qu joue les dinosaures de l'espace, que moi je prends énormément de plaisir à le faire, je pense que c'est un plaisir communicatif. Oui, c'est partagé. Fait que ouais. on, on crée clairement une, une, osmose et, et, euh, une, une osmose entre moi et les joueurs qui font que les, les choses avancent naturellement et euh, ça rejoint aussi les euh, ce que je te disais où on peut dénoncer des choses de sérieux. Par mmh. le biais de scénarios le biais rigolos de... et avec mmh. une forme rigolote, où ça, c'est des choses aussi que tu, peux, que tu peux te rendre compte après la partie, en te disant « Ah ouais, mais à un moment donné, j'ai fait ça, euh, on s'est rendu compte de ça, ah ouais, mais c'était pas si bête que ça, ça, mmh. ça fait écho à... ou quelque chose d'actuel, ou, euh, ou un autre fait euh, sociétal qu'il y a eu avant, ou euh, ne serait-ce que de la recherche scientifique, le clonage, etc., ce genre de choses, euh, ça, c'est aussi des choses que tu peux te rendre compte après la partie, même si, sur le coup, et eh ben, c'est que là, t'as... Donner des coups de corde dans des pierres de l'espace, euh, dans l'espace. Eh bien, écoute, euh, on va, on va peut-être faire une mini pause pour voir si dans le chat, les gens, vous avez des questions, parce que je ne vous ai pas encore euh, sollicité, mais je vois que vous êtes assez nombreux là. Euh. D'ailleurs, je vous fais un gros coucou. J'en profite, il y a toujours un petit moment hein, dans mes lives où je fais un vrai coucou aux spectateurs. Donc, on a ah ben, Oriana. Coucou bah, les gens. Ella, Biulette, Hadès, Alicédra, Basile, Boom, Cosmic Soap, coucou à toi. Je suis très heureuse de te voir ici. Je te vois beaucoup dans les réseaux sociaux. Donc, merci d'être venu nous voir. Il y a silian qui est là. Ça fait très longtemps. Coucou silian J'espère que tu vas bien. Drapsnat, toujours fidèle au rendez-vous. Catvald, Ah, alors, Catvald, je pense que c'est ton pseudo, mais que ça doit être Mathieu Papy, l'illustrateur. Je crois qu'il avait un, un œil aussi sur euh, Cosmosan. Bah, pour le design, je pense. Booba qui est là, Tortue Géniarde et non euh, Tortue Géniale, et Vémic. <laughs> et Web Yves, je crois que Web Yves, il a, a d'ailleurs joué euh, probablement avec ouais, toi. Ouais, il a, on on ouais. avait joué ensemble au Fige aussi. Hein. Il me semble que c'était au Fige en tout cas. Et ben en tout cas, les amis, ouais. voilà, je vous fais un grand coucou. Si vous avez des questions, ah bah ben, voilà. Tu vois, il y a des questions qui commencent à arriver. Donc avant d'aller plus avant sur les détails. Pas. On va, on va y aller. Donc, il y a Boba qui nous demande euh, ça se joue idéalement sur des one shots ou il y a une possibilité de campagne avec ce jeu Alors, c'est une très très bonne question parce que l'un des, euh, des points forts de tout JDR, c'est sa rejouabilité et sa manière de le prendre sur le temps. Qu'on soit clair, Cosmozer en l'état, c'est un bouquin qui fait 80 pages. Donc, euh, on a le, donc, on a le résumé des règles, on a comment créer ton perso, on a toute la une grosse boîte à outils pour faire des, euh, des pour faire procéduralement des, euh, des objectifs des scénarios etc euh, et bien sûr les ennemis. Idéalement donc c'est fait pour des parties euh, improvisées qui enfin, qui peuvent être improvisées genre on ne sait pas quoi faire ce soir, on des 4 5 allez, hop on prend Cosmosor, tiens ta fiche de perso toi 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 et puis même le MJ s'il sait pas quoi faire et ben, il prend la, la boîte à idées en gros qui a déjà un fourni dans le jeu et euh, il lance il lance deux dés six donc un d 66 comme on appelle et en fonction du résultat et ben il se réfère à la table voulue et puis ça te donne l'objectif de la mission, ça te donne les méchants, ça te donne leur, leur motivation, ça te donne les, les alliés, les complications, etc. Quelque part, le jeu va te faire le scénario pour toi. toi oui, c'est un, un générateur. C'est -ce ça. ça Et toi, tu n'auras plus qu'à qu interpréter les, les, les résultats pour faire, pour faire avancer ton, ton équipe. Ensuite, tu peux très bien, comme, comme moi je fais d'ailleurs, euh, bah, faire un scénario déjà tout fait. Euh, Cosmosor, c'est d'abord un jeu de Space Opera. Donc, euh, tous les codes du Space Opera s'appliquent parfaitement à Cosmosor. Euh, prends un jeu... Un un vieux jeu comme le vénérable et mythique Empire Galactique, qui est bourré de, 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 de scénars de tous les types qu qui puissent qui puisse être, et bah, tu prends ces scénars, tu les appliques dans Cosmosaur, tu dinosaurises, comme on dit, les, euh, un peu les, euh, les personnages, les situations, etc. Et ça marche très bien. Star Wars, pareil, bah, tu prends des scénars de Star Wars, ça marche très bien. En plus, il y a des sorciers, il euh, y a une faction d'ennemis, c'est des sorciers, euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure d'ailleurs, on appelle ça les sorciers du vide qui te créent des pas de, des, euh, des temporel pour te créer des, des monstres ce, ce genre de choses donc tu peux très bien jouer avec ça pour faire un genre de la force et faire donc un genre de simili ou site donc tous les scénarios de type space opera voilà s'appliquent au code de Enfin, ça S'applique à, à l'ambiance de Cosmosor. Donc, idéalement pour des one shot oui. Par contre, on peut très bien faire des campagnes que, perso, je recommanderais plutôt courtes. Donc, euh, pour des mini-campagnes de genre 6 mois max, des euh, gens. Des petits euh, bursts gros... en quelques épisodes, quoi. Gros, voilà, voilà c'est ouais. tout à fait ça. Une, un genre de mini-saison euh, d'une de, 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 de dizaine de séances grand max, parce que ce genre de jeu, il ne faut pas trop qu'il s'éternise. C'est comme euh, si tu, tu étales beaucoup trop euh, ton petit bout de Nutella sur une tartine trop grande, après, et ça, ça a plus trop de, de goût, tu vois, donc euh, pour garder un petit peu ce côté punchy et épique, il euh, faut pas trop euh, que, que les scènes se répètent et, euh, et, se, et se rallongent, donc euh, mini campagne euh, recommandée de 6 mois max, sinon idéalement pour des one-shot. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais, donc moi j'ai pas tout, hein, mais on voit déjà dans les démos du, du jeu, bah, dans, dans la version actuelle anglaise, un, un exemple là de table de D66, où vous pouvez... Euh, à tirer par exemple un lieu et puis euh, là vous, a, vous allez commencer comme ça dans chaque tableau bah, à, à, à tirer euh, ce qui peut vous aider à faire votre, votre aventure et il y a donc comme tu disais plein de tableaux donc il y a les lieux il y a les ennemis il euh, y a les accroches en gros de, de scénar, voilà, en y a, fait. Y a des il y a des alliés euh... Potentiel, il y a des, des retournements de situation, il y a, il y a des récompenses aussi, il y, a, il, y a, il y a tous les éléments dont tu as besoin pour faire, pour faire, de, pour, pour faire ton scénar si tu as ou un trou de mémoire ou si sur le moment tu n'as pas trop d'inspiration. Euh, donc, euh, ou tu peux te fier au hasard ou sinon tu peux prendre la table aléatoire et puis tu prends un truc qui te, qui te convient parfaitement, ça, ça marche aussi très bien. Et euh, donc, alors là, il y a peut y avoir deux choses parce que, ou si tu te fies complètement aux tables aléatoires, bah, tu peux tomber sur des situation complètement débile euh, mmh. par exemple escorter un ambassadeur pour aller euh, pour, pour aller libérer un secteur contrôlé par les pirates tu te dis mais bon on est où là ça qu'est ce qu'elle me dit la table à la mais en même temps c'est les résultats de la tablatoire donc t'es le MJ tu as fait ce résultat-là. Ouais. Moi, résultat j'aime assez cette méthode et c'est une chose que j'aime beaucoup personnellement et euh, je trouve que ça oblige à créer un petit peu sous la contrainte aussi d'avoir de de des tables aléatoires. Et il euh, bon, y, y a un copain qu'on aime bien sur la chaîne qui a sorti un petit deck euh, bah, c'est le scénarurgien, où tu, tu, tu peux tirer aussi comme ça euh, des, des, des accroches et des idées pour les scénarios. On s'en est beaucoup servi. Moi perso, je trouve ça, je trouve ça très bien. Parce que c'est des jeux qui vont vite à mettre en place et même qu'on peut faire en co-narration parce qu'au début euh, euh, quand on va tirer euh, la situation initiale et l'ennemi euh, et ce qu'on doit faire rien n'empêche de réfléchir à plusieurs à la table à la direction à prendre et à ce qu'on ce qu'on doit faire donc euh, moi perso je trouve ça assez euh... Ah, c'est chouette. Ouais, c'est euh... exactement ça. Donc, euh, ouais. quelque part, si tu veux biaiser ça, bon, bah, tu prends ta table aléatoire, tu choisis toi-même le tu truc. Tu choisis mais... toi-même. Bon, en, ouais, ensuite, tu t'apprends de la table aléatoire, ouais. autant, aller le... autant faire le truc jusqu'au bout. Donc, euh, tu lances tes dés, et puis après, tu appliques. Et après, dans un jeu comme Cosmosor, bah, plus c'est débile, plus ça va fonctionner. Donc, va euh, fonctionner. si tu interprètes un peu bien le truc, euh, ouais, bon, bah, à table, tu peux être sûr que ça va se marrer. Parce que, bah, bah, dans ce cas, tu peux très bien piffer que ton ambassadeur que tu dois en escorter, et bah, en fin de compte, c'est un ancien commando, et c'est lui qui va attraper le gros flingue à laser et qui va éclater tous les Laser, si pour le pour peu que toi des cosmoseurs, enfin que tes joueurs euh, fassent, le, fassent des échecs au dé, tu vois. Ouais, c'est très cool. Et donc bon, voilà, donc plutôt des petits bursts euh, et des campagnes courtes. Mais en tout cas, c'est absolument possible de continuer d'une ah, séance sur l'autre. On va absolument. continuer avec les, les questions ouais. du chat pour ah, ben je, me, je, me, je me permets de continuer, ouais. euh, fin de, 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 de finir le chapitre de l'évolution mmh. des persos parce qu'il y a une petite aussi euh, une petite phase d'amélioration des, ah, ouais. des persos. Il n'y a pas d'xp, il n'y a pas de niveau. Par contre, il y a une phase d'amélioration et là on retrouve encore une fois une, une facette de directement de l'auteur de Yuuonogira qui euh, qui veut faire passer, euh, je dirais pas un message, mais qui veut faire passer une façon de, de voir euh, de voir et de faire les choses qui est de d'apprendre sur toi. Et de et, et quelque part d'auto-apprentissage, en fin de compte. Mmh. C'est-à-dire que le, le système d'amélioration dans, dans Cosmosor, il va être à la fin de chaque mission, parce que donc la Cosmosor, c'est une organisation avec mmh. en gros, un supérieur qui va t'envoyer faire une mission. Lorsque tu reviens de la mission, qu'elle soit réussie ou échouée, il va falloir que tu fasses un rapport de, de mission. Et euh, dans ce rapport, tu vas devoir indiquer ce que tu as réussi et ce que tu as raté. Et donc dans les hmm. choses que tu as réussi, ça va pouvoir te faire gagner des compétences. Donc euh, si par exemple tu as réussi à, à, à te, te servir d'un ordinateur, et ben bah, si tu l'avais pas déjà, et ben bah, tu vas pouvoir euh, rentrer dans ton, dans ta case ou des bons A, donc des good at, ben bah, bah, tu te marques euh, informatique et ça va te faire gagner une nouvelle compétence. Et euh, si y a quelque chose que, où t'as pas été bon, eh bah, ben tu vas aussi le marquer dans les bas dates. Ça va donc, ça va te faire une nouvelle chose où, euh, où ça va te faire un dé en moins. Mais en contrepartie, tu vas aussi pouvoir choisir d'augmenter un de tes deux attributs en lançant un dé, et il va falloir que tu fasses plus que ce que tu as. Plus temps que ce que tu avais déjà, d'accord. C'est ça. Donc euh, d'où la volonté de tirer les gens par ah, le haut. Améliorant là où tu es faible, en fait. C'est-à-dire que sur mon, mon Cosmosor, euh, on va dire bourrin, j'ai déjà 4 en, en Zor et 1 euh, en Cosmo. Euh, si je vais vouloir augmenter mon score de, de, de Zor, où j'aurai déjà 4, euh, ça va être beaucoup plus difficile. Alors que si je veux monter mon score de, de Cosmo, où j'ai 1, ben, ça va être facile sur un D6 de faire plus de 1. Donc la volonté d'auto-apprentissage de, 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 des. Euh, des, des, des personnages donc des personnages et, au, et le, le message envoyé aux joueurs d'y penser pour, ouais, euh, pour faire un cool. petit peu le lien ouais. voilà avec ton perso et il, il est vraiment de, de de faire un retour sur expérience en fin de compte et de et de prendre de, de travailler sur tes échecs et de, de prendre de tirer les gens les gens par le c'est super cool donc il y a quand même vraiment de quoi bien progresser avec les persos ça je trouve ça chouette aussi ouais mmh, mmh. alors on va continuer avec Basil petit Coucou à toi, hein, Basile. Toi aussi, on te voit souvent sur les réseaux. Très heureuse que tu nous aies rejoint ce soir. Donc, il nous dit Petite question, le jeu a l'air assez barré, mais est-ce qu'on peut le jouer avec des <laughs> jeunes joueurs, genre mon neveu de 10 ans, fan de Dino <laughs> Absolument, absolument. Je peux même te dire que sur un festival de Toulon, c'était Toulon joue au Palais Neptune, c'était un week-end absolument génial. J'ai joué avec une famille, donc il y avait papa, maman, il y avait les trois gamins et le plus jeune avait, je crois qu'il avait 5 ans. Donc ah. euh, j'ai euh, fait jouer avec donc les trois euh, les trois enfants qui avaient en plus qui, qui avaient respectivement 5, 7 et 9 ans donc c'était vraiment une partie euh, une partie avec des, des poupous hein. et euh, bah quand, quand c'est comme ça bon forcément c'est des dinosaures dans l'espace c'est pas un jeu violent ni rien Quoique, quoi que quand tu joues avec des adultes tu peux très bien un peu euh, goriser euh, le, le niveau de violence du scénar donc lorsque tu vas couper un membre à quelqu'un bah tu vas un peu décrire plus euh, des, des le, le jus de myrtille qui vole dans tous les sens mais du coup, quand on a joué avec des gamins de 5, 7 et 9 ans, bah, franchement, tu te doutes qu'on était en plein dans du cartoon. Donc, la, la partie, donc, j'ai adapté le, bon, le niveau de difficulté. Déjà, même pas, on en parle parce qu'il y en, y, en y en avait pas. Au niveau des règles, bon. Qu'est-ce que tu veux expliquer des règles à un hein, petit de 5 ans Donc, en gros, ça a été, vas-y, fais-toi plaisir, lance tes jets, et puis, euh, et puis on, bah, en fonction du résultat, quand même, je vais te dire si tu as réussi ou pas, mais euh, même pas, je vais oui, expliquer voilà, la, 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 la différence expliqué. des choses. Ouais. Mais euh, ensuite, euh, quand, quand, par exemple, ils étaient dans leur vaisseau et qu'ils se, qu se sont fait attaquer par des pirates de l'espace, c'était en plus le petit de 5 ans qui avait le rôle du pilote, et bien, bah, mmh. il, a, il a eu envie de... Quand, quand donc quand je lui ai dit qu'ils étaient entourés par les par les pirates et que ils étaient menaçants, il a dit eh ben je vais foncer sur le vaisseau des pirates et je veux faire du bowling euh, euh, pas du bowling mais je veux ricocher comme une boule de bière sur les vaisseaux des pirates. Ouais, ça. Il a réussi son jeu en plus donc bon bah imagine le vaisseau des cosmosors qui boum 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 boum, boum qui euh, qui ricochait dans, dans entre, entre tous les vaisseaux des pirates euh, c'était très rigolo en plus avec les parents ouais. on, a, on a bien rigolé c'était adapté à, à une, une difficulté euh, voilà adapté à un, un tout petit donc euh, on peut très bien faire jouer Cosmosaur avec un, un petit de 5 ans, voire plus, donc avec un petit de 10 ans, une difficulté adaptée, et surtout un, un temps de jeu adapté aussi, euh, ça, tout à fait le, ça fera tout à fait le taf. Euh, ensuite, quand nous on a fait la partie avec cette famille-là, la partie elle a duré 20 minutes, hein, parce que déjà au bout de 10-15 minutes, euh, les, les petits ont commencé déjà à les perdre en termes d'attention, donc euh, la partie elle a duré 20 minutes, tout le monde s'est amusé, même moi. Euh, pour le coup, c'était euh, une expérience assez euh, assez atypique de faire jouer des, des enfants comme ça. Ça s'est très bien passé. Donc euh, pour pour ton pour ton neveu de 10 ans. Je pense que il y, y a moyen de faire quelque chose de pas mal même avec ses cotons Ouais, puis en plus je pense que c'est assez bon enfant au niveau des, des dessins et des couleurs et tout pour qu'il n'y ait pas de pas de sujet. Si t'es grand et que tu veux mettre un peu de sérieux dans, dans tes histoires, bah, les grands vont le capter. Mais si tu veux rester sur la couleur, le fun, les, les, les lasers pour les plus petits, je pense que ça ça colle carrément, ouais. C'est tout à fait ça, parce que même d'un point de vue du, du, du visuel et de, de, de l'aspect esthétique du jeu, quand tu regardes tous les dessins, même si des fois il y a des méchants qui apparaissent et qui ont une tête un peu agressive ou bouillante ne serait-ce que sur la cover avec le Draculosaure, qui a une tête un peu comme ça, il est méchant parce que c'est un méchant, mais ensuite, même dans tous les dessins animés pour enfants, il y a quand même des méchants qui ont une tête un peu menaçante, mmh. mais il n'y a rien de violent derrière, il ouais. n'y a, de, a rien de choquant derrière, et même quand tu vois des dinosaures armés avec des, euh, des, des, des pistolets qui tirent des lasers, ben, quand tu regardes ça à 6 ans, tu te marres. Moi, à enfin, ouais, 40 balais, yeah. je me marre quand même. C'est clair. Alors, je vais pas forcément poser la question, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a Cosmic Soap qui dit qu'on dirait du laser and feelings avec des dinos. Je suis complètement d'accord. Il y a un gros. Un gros eh bien, fil là-dessus. Eh bien, eh bien, tu fais très bien de, ouais. de mentionner ce jeu, parce que euh, s'il y, y a bien trois choses qui ont, euh, qui ont inspiré Diogo pour ce jeu, c'est d'abord la, la série, la vieille série Dino Saucer, et euh, deux jeux de Ben Harper, qui mentionnent d'ailleurs dans, dans mm. l'intro du jeu, et c'est donc euh, Laser and Feeling et Blade in the Dark. Eh bien voilà, donc tu vois. Donc as, tu as, très as bien, tout capté, euh, tu as tout compris. Oui, ouais, ouais, tu as, 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 as bien capté le truc. Alors, euh, ah, très bonne question. Je l'aurais posée, moi. Elle faisait partie de celle que je t'avais mise de côté, mais du coup, tu vois, Yves nous la pose. Est-ce qu'il y aura du contenu exclusif français by Vinsou lors du financement, <laughs> du coup <laughs> Eh bien, il y aura en effet du contenu euh, purement exclusif. Ah, cool à la, à la FR, qui sera bien sûr euh, retransmis à Diogo en VO pour que pour qu'il puisse l'exploiter de son côté. qu'il puisse aussi l'intégrer de son côté. Ah, trop bien. Faut, faut savoir qu'actuellement le, le jeu se résume à son livre de base. Donc euh, c'est 80 pages avec toute la boîte à la boîte à outils pour créer tes, euh, tes scénars et c'est tout. Donc le scénar que moi je fais depuis euh, plus d'un an en convention, c'est moi qui l'ai fait et, euh, et basta. Donc ce qu'on va faire pour la VF, c'est déjà un écran. Donc un écran du euh, J'ai, euh, je suis rentré en contact avec le, avec le, le dessinateur original, Lucas Kowalskuk qui s'est montré euh, vraiment enchanté et chaud patate de faire euh, pour le coup oui. un, un écran exclusif en BF. Ah, et, euh, et là, je précise avec un panorama exclusif ah trop bien c'est cool il de va faire un dessin exprès pour ça quoi. il euh... va faire un dessin euh, ah, rien, les, rien que pour l'écran un dessin tout neuf donc je, je suis euh, au combien en joie de... ah, oui. euh, <laughs> je, je, je crois que je vais le faire à imprimer en gros rien que pour euh, je vais le mettre chez toi sur le mur en fait quoi. Ça, ça va finir comme ça donc trop on bien. va avoir euh, ce, cet écran du MJ euh, exclusif français bon, qui ensuite sera reconverti en mais ce sera pour le coup de, de mon fait euh, donc d'un côté le panorama et de l'autre il y aura toutes les tables aléatoires du jeu plus les euh, les les autres indications que le que l'AMJ aura besoin donc euh, les difficultés les euh, les euh, bon, il y a toute une table il tout plein de tableaux donc il euh, y aura un condensé de de tous les tableaux de, de tous les tableaux du jeu il euh, y aura ensuite euh, un scénario qui sera euh, ah, dans, donc dans, on aura un scénar officiel euh, français il y aura un scénar officiel français euh, qui sera écrit par Guillaume Jantet donc ah oh, trop Jantet, bien <laughs> C'est cool! Donc, coucou Guillaume, si, si tu reviens. Coucou revois Guillaume, d'ailleurs, oui, si tu vas Maintenant ou, ou même plus tard. Donc, euh, Guillaume, c'est un, un auteur français qui, a, bah, qui est auteur de, de pas mal de trucs déjà. Hein. Nuit, des okay. veilleuses, Super Bâton RPG, euh, Conan et Sonia contre les ninjas. Contre les Ninja. euh, ouais, ouais, les, les cowboys ouais. et les extraterrestres, euh, tout ça, c'est lui. Donc, c'est des, des jeux à petit format, mais, euh, mais qui et sont. des très en, belles références, oui. Pour, pour ce qu'ils sont, euh, franchement, ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu l'occasion de, de discuter avec lui à Octogone dernier. Et euh, quelle ne fut pas ma joie de me rendre compte que Guillaume, c'est déjà un, un bon connaisseur de Cosmoser et de Diogo. Donc, ah, euh, bah, mmh. en fin de compte, on a échangé à propos de, de l'AVF et euh, bon bah, du coup, on, a, on en est assez rapidement euh, venu au point qu'un scénario de sa part serait, serait largement le bienvenu. Donc, ah, euh, bien. donc, donc, on aura un scénario de, écrit par Guillaume. Et bah de c'est super nouvelle. Donc en plus on a une VF ultra calibrée pour la France, donc c'est top. On va on va avoir une autre petite surprise pour la VF. Donc là ça va dépendre bien sûr des paliers qui euh, plus euh, plus ça va monter, plus on va en avoir. Comme on ouais. dit. Euh, je suis euh, je suis bien copain avec Alexandre Sanchez. Qui est un romancier, c'est un auteur de romans plutôt typé jeunesse, mmh. euh, qui a écrit, euh, qui, qui commence déjà à avoir sa petite réputation, celui-là. Hein. Euh, il, a, il a écrit, je pense, une vingtaine d'ouvrages, pour l'instant, essentiellement inspirés de jeux vidéo tels que euh, Roblox, Minecraft. Euh, il a ah écrit, oui, euh, ok, d'accord. Donc, il a il, il écrit des, des bons petits bouquins quand même. C'est pas genre des trucs de 50 pages. C'est oh ouais. des vraies histoires, même typé jeunesse. C'est pas pour ça que c'est pas bien. Et euh, c'est lui qui a écrit un, un excellent ouvrage. C'est d'ailleurs comme ça que je j'ai fait sa connaissance il y a, a peut-être deux ou trois ans. C'était aux fiches de Cannes que je l'ai vu. Via ce, cet ouvrage-là, c'est le slasher dont vous êtes le héros. Trop cool. Mais, tu connais crois, en plus, mais il ou... me semble que même je connais ces écrits de Minecraft moi ça me parle en fait je ouais, crois qu'on ça... en a un ici je crois que c'est possible il y a un tous petit les, garçon ici bouc... avec nous qui, qui, qui les a en fait je, voilà, ça, tout, me, ça me parle les... beaucoup. la plupart des bouquins <laughs> sont estampillés de lui donc... ouais. et du coup le Slasher dont vous êtes le héros c'est un livre que j'aime beaucoup ça, ça prend le code des livres dont vous êtes le héros donc euh, tu te balades dans un couloir, tu vas à gauche tu vas à la page 12, tu vas à la droite, tu vas à la page 50 et euh, ça ça prend, donc ça mélange le, le dont vous êtes le héros avec le, le monde des slashers. Donc, les, euh, les slashers, c'est des, des films d'horreur avec des tueurs qui, euh, qui sont très forts et qui tuent tout le monde euh, dans un groupe de jeunes. Et du coup, on, on incarne une, une jeune fille qui se fait poursuivre par, par un tueur en série et qui doit lui lui échapper par, euh, par ce biais-là. Et euh, donc c'est quelqu'un qui est vraiment euh, talentueux et, euh, et qui, qui va donc nous euh, nous, nous écrire euh, si le palier est débloqué un roman original dans l'univers de Cosmosor et ça oh, je, wow. je suis vraiment très fier de, 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 de ce futur ouvrage. C'est sublime parce que quelque part presque la gamme elle est, elle va être plus grosse et va se développer grâce à sa traduction française finalement. C'est exa cool. exactement ça là avec le livre de base qu'on a actuellement c'est déjà une base. Euh, relativement euh, fine mais énorme dans le fond. Voilà, encore une fois, c'est du duo du tout craché. C est, c est, ça a l'air euh, tout bête comme ça, c'est tout fond, c'est tout, tout fin avec un petit bouquin de 80 pages mais avec un potentiel d'exploitation mais ô combien euh, infini. Donc ça, plus avec, avec un joli petit scénario qui va mettre euh, qui, qui pourra éclairer peut-être un peu plus... Euh, un petit euh, peu, des, ouais, ouais. Voilà, ouais. Des, des, ouais. Des, MJ, des MJ qui aimeraient avoir un peu plus de repères. Un peu plus de guide, quoi, en gros, ouais. Et en plus, un roman original dans l'univers du jeu qui, euh, qui, qui, qui va exploiter encore plus le, 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 le lore et peut-être même inspirer des, des gens pour faire un scénar avec ça. Euh, ouais. moi, moi, je pense que des, des romans originaux dans ce genre de, de, de JDR, euh, moi, je trouve que devrait en avoir plus. Hein. Ouais. Euh, Typiquement, il y a un petit bouquin que j'ai lu il y a, y a quelques années. Il euh, y, bon, y a un jeu drôle que j'aime beaucoup, qui est très connu, c'est Cops. <laughs> et Cops, il y a bon, j'ai fait deux campagnes de plusieurs années donc je connais très bien très bien le jeu mais mes persos ont toujours très mal fini mais ça c'est une autre histoire. Et il y a un petit roman qui qui existe sur ce jeu, je crois que je sais même plus comment il s'appelle mais il est pas très bien épais Je l'avais trouvé totalement au hasard sur à la boutique de jeux qu'on a qu'on a chez nous à Nice là, donc la jsst et c'est un roman original dans l'univers du GDR Cops. je l'avais pris et je l'ai lu et c'est c'est donc une histoire originale dans l'univers de Cops, les, à, le, à Los Angeles, la Californie, les flics avec le, le, le programme Cops, avec le masque de hockey sur eux, et puis ils doivent, doivent vivre une enquête policière, une intrigue politique, etc. C'est un, un petit livre que j'ai vraiment adoré lire pour ce qu'il est, il fait largement le taf. Dans, dans l'univers de d'autres jeux comme ça, ça, ça devrait être plus répandu. Et je ne parle pas bien sûr de la longue gamme des Royaumes oubliés où il euh, y, a, y a 500 livres depuis 40 ans. <laughs> ouais, ouais clairement. Mais c'est super cool. Bah, franchement, félicitations pour tout ça. Vous avez, euh, vous avez bien creusé le, le sillon pour la gamme française. quoi. Euh, c'est cool. Ça fait très plaisir de voir votre motivation et de voir tout ce que vous voulez faire. Euh, Oh, c'est top. Ah, tiens, Et, ah bah, je, je, crois, je crois que ça ouais. fait aussi très plaisir à Diogo parce que quand ouais. on discutait un peu de tous les produits qui allaient venir avec les, la gamme VF, euh, il m'a me, dit merci de t'impliquer autant, autant ah, sur ce cool. jeu. Ouais. Je lui ai dit non, mais tu me remercieras quand on aura le bouquin dans les mains. Ouais, bah, ouais, mais moi <laughs> je trouve ça bien parce que souvent c'est vrai que les trades, c'est pas qu'elles se, bah, se cantonnent parce qu'il y en a qui font aussi beaucoup d'efforts, mais c'est vrai que souvent. Par frilosité, on, on a souvent le livre de base qui vient en premier, et puis après, euh, tu vois, dans les années qui suivent, d'autres choses. Mais je trouve qu'avoir un package français, c'est quand même la super classe, donc euh, bah, c'est très cool. Mmh. Euh, alors, je vais continuer sur les questions du public. On va, on, ensuite, je pense qu'il y en a plus vraiment. A priori, ça devrait être euh, tout, tout, tout. Ouais, je pense que ce sera la dernière, à mon avis. On va prendre la question de Cadval. Donc, je pense que c'est Mathieu. Hop. Qui nous demande donc s'il y a des références qui sont intégrées dans le sujet bah, pour justement aider le MJ à traiter des sujets importants, mais avec ce ton décalé. Est-ce que Diogo lui-même, il nous donne un petit peu des conseils pour faire ça euh, dans l'ouvrage ou oui. Ou est -ce que ça, est... oui. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Il, y a, il y a non seulement les, les tables aléatoires qui te disent euh, ce que tu vas faire, etc. Il y a en plus euh, quelques pages avec des, des conseils. Donc, ce sont surtout des conseils de tenue, on va dire, des conseils de, de tenue et de, de respect, euh, de respect des autres, de respect de la table et de, rester, de respect mutuel euh, les uns envers les autres. Alors, euh, les, euh, les références culturelles, il y en a, il y en a pas vraiment dans le bouquin, mais il y a plutôt des conseils euh, des, con des conseils d'application de, euh, à, à tenir un groupe et il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup par exemple c'est euh, lorsque tu tires, une, tu tires un, un résultat au dé sur une table aléatoire tu, tu envoies et que tu envoies tes joueurs faire, euh, faire, la, faire la chose il dit euh, tu les envoies pas comme si c'était tes poupées tu tu leur en parles tu fais du tu maintiens du contact avec eux et euh, vous vous parlez il met beaucoup l'accent sur le fait que euh, le MJ n'est pas le n'est pas le grand maître du jeu et que les joueurs sont pas sont pas ces choses en gros donc euh, il met beaucoup l'accent sur euh, sur sur le lien commun entre les joueurs entre eux euh, la, la la sécurité qui la sécurité à maintenir entre eux pour que tout le monde se continue à se sentir bien MJ compris et euh, voilà le, le, le genre de, de, de choses que, que tu pourras trouver dans, dans ce bouquin. Donc euh, surtout des conseils à la meneuse pour... Animer la partie autour de ces thèmes, mais pas forcément voilà. euh, des thèmes ah. en particulier. Après, ça, c'est à toi de, de un peu trouver comme tu as envie de, de raconter ces, ces sujets-là. C'est surtout un peu des conseils de gestion humaine, un peu ouais. de, de, ressources, de ressources humaines, si je, puis, si je puis dire ça un peu plus, un peu plus froidement. Mais euh, voilà, c'est des conseils, euh, encore une fois, là, on retrouve bien du dugo c'est d'humain à humain. Et mmh. euh, ensuite, pour ce, des, euh, pour ce qui est des références directement in-game, euh, bon, bah, tu as déjà toutes les. Euh, les, tout ce qui est écrit dans les, dans les tables aléatoires, euh, mmh. c'est un peu à toi aussi de, de te faire tes euh, pas tes propres références, mais en tout cas tes propres interprétations. Bon bah super, merci. Alors on va, qu'est-ce qu'on a d'autre Je regarde au cas où on n'ait pas oublié une question du public, mais je crois que pour l'instant on les a pas mal traitées. Alors si d'ici la fin de, 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 de la petite émission vous en avez d'autres, on en repassera quelques-unes, mais on va continuer à décortiquer ensemble un petit peu le bal ouvrage du coup. Tu nous as dit qu'il faisait 80 page et euh, alors plusieurs choses ah bah, c'est bien mathieu donc cas de mais j'ai toujours du mal à retenir les pseudos des gens excuse-moi donc coucou euh, donc oui il y a deux choses qui m'intéressent donc la première c'est euh, qui fait du coup littéralement la traduction de l'anglais euh, vers le français est ce que c'est vous euh, avec euh, ton camarade est ce que vous avez euh, un, un traducteur particulier qui va, qui va s'adjoindre au, au projet. Euh, et, euh, et voilà. Et comment, justement, après, il y aura peut-être, je sais pas, des relecteurs aussi sur la, la, la version française. Enfin, en gros, techniquement, bah, qui s'occupe de, de la trad française chez le cristallium Alors, la trad française, en première lecture, c'est moi qui l'ai faite. savoir toi. que okay. le, le niveau d'anglais est faut dire ce qui est, est, pas fou à comprendre. Euh, si ça avait été un niveau un peu plus relevé, euh, j'aurais clairement pas hésité à confier ça directement à un pro. Mais euh, là, même moi, à la première lecture, lorsque j'avais acheté le PDF, j'avais déjà compris euh, plein, de, plein, de, plein de choses. Okay. Donc, euh, en première lecture, c'est moi qui fais. Donc, mmh. euh, c'est la trad.fr, la trad elle est déjà faite quelque part. Sauf que là, en l'état, elle n'est pas encore vraiment finie. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà plusieurs phases de relecture où là, mmh. on va vraiment confier ça à des gens un peu plus euh, professionnels. Encore une fois, on peut pas traduire un jeu anglais en français comme ça, euh, ne, ne serait-ce que mot à mot, parce que entre les phrases qui veulent plus dire grand chose ou euh, les phrases qui s'éloignent de leur sens originel, il euh, y a des choses qui vont pas aller. Donc si c'est pour traduire ça de manière un peu Google trad, on va dire. Euh, ça ne va pas aller. D'autant plus qu'il y a des phrases qui, euh, humainement, dans le dans le bouquin de base veulent vraiment dire quelque chose. Il faut vraiment accorder de l'importance à conserver ce, ce ce côté humain que que Diogo veut, veut nous transmettre. Donc euh, en première lecture, c'est euh, donc c'est moi qui ai déjà traduit le bouquin et ça va être transmis à des relecteurs pro, des euh, et à et à. l'habitude tra de travailler avec les maisons d'édition. Voilà qui ont qui ont l'habitude de faire ça de manière pro et qui ont vont aussi relire ça, retraduire ça ou en tout cas contrôler ça par rapport au au, au texte original pour pour vérifier que les choses ont été bien traduites ou ou remanier des phrases parce que rien que dans rien, rien que par, par rapport à la à la manière dont moi je l'ai fait bon c'est euh, bon je vais pas dire c'est pas mal fait mais on va dire que ça pourrait sur certaines phrases ça pourrait être mieux fait donc la la trad actuelle est faite, mais elle a besoin d'être retravaillée bon ça va être fait quand on pourra ensuite repayer les les professionnels qui Ouais, bien sûr en tu, fonction tu, du tu... financement du coup euh, forcément c'est tout à fait ça donc mm. bon tout ça c'est ça déjà inclus dans le, dans, le premier, mm. dans le premier palier mais euh, donc voilà pour ce qui est de la trad, c'est déjà fait mais ça, on va faire ça de manière vraiment professionnelle avec bah, des professionnels qui, qui ont l'habitude de ça pour refaire les, les retrad, re, retransmettre les phrases, les phrases anglaises au fini euh... avec les avec ouais. mot français et du coup, euh, après, euh, c'est pas du tout une critique de ma part, c'est juste euh, j'y pense en le disant et en te posant la question, vu que Diogo Nogueira, il écrit de base euh, pas en anglais, enfin en tout cas c'est pas sa langue euh, maternelle, euh, c'est probable que du coup ce soit une traduction finalement plus facile aussi, puisqu'il a dû utiliser un anglais euh, finalement peut-être un peu moins littéraire, un peu moins euh, verbeux que si ça avait été sa langue euh, maternelle, et, et de fait euh, c'est aussi peut-être ce qui facilite un peu ton travail et, et qui rend le jeu particulièrement accessible, alors même si je, on comprend bien qu'il y aura une équipe de relecteurs pro euh, par ailleurs, voilà, j'imagine parce que moi j'ai été jeté un œil euh, pas mal bah là forcément vu que j'allais te recevoir donc euh, sur le jeu aussi et c'est vrai que honnêtement oui je pense qu'il n'y a pas de risque euh, sur cette traduction qui soit qui soit très très important puisque c'est un c'est un langage assez accessible quoi. Donc euh... alors je pense qu'en tout cas pour Cosmosor, c'est ouais. un ouvrage qui lui-même a voulu volontairement léger. Mmh. Donc le niveau d'anglais est pas bien élevé dans ce sens-là, c'est fait exprès, c'est voulu. <laughs> Je sais que de ne serait-ce que de la part de Diogo, j'ai lu d'autres euh, d'autres choses encore qui sont déjà d'un niveau plus élevé. Ouais, c'est pas pareil, euh, d'accord. Ouais. Pour le coup, quelque part, on peut dire que j'ai eu du bol de tomber sur Cosmosor mm. qui soit léger et quelque part qui soit adapté à, à mm. mon niveau de compréhension en anglais. Mais je pense que sur un jeu peut-être plus important, ne ce qu'on parlait tout à l'heure de Primal Quest. Malquest, euh, ouais. lui, c'est un truc un peu plus gros. C'est euh, ne serait-ce que sur l'écriture, lorsque tu regardes les pages, il y a beaucoup plus de caractères. Euh, les pages sont plus fournies. Il y a beaucoup de, plus de choses à expliquer. Ne ne serait-ce que dans les règles. Euh, Primal Quest, c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus complet et euh, compliqué, entre guillemets, que Cosmosor. Hein. Cosmosor, comme je t'ai dit, c'est vraiment du Cosmo, du Zor, tu lances tes plus 6 et puis c'est la face la plus haute qui prime. Euh, Primal Quest, je ne sais pas si j'aurais eu la capacité de traduire Primal Quest, tu vois. Euh, et c'est ça sur d'autres euh, jeux aussi euh, qu'il a fait, bien sûr, Diogo. Euh, je sais qu'il a, a beaucoup travaillé sur le, le jeu OSE là où il a fait un scénario sur ça où il a fait euh, où il a je crois que c'est là-dessus c'est c'est sur le scénario qu'il a fait qu'il a eu son Emmy Award donc mm. je pense que si je prenais le scénar en anglais euh, ouais, je, je comprendrais en diagonale et je saurais... mais ce serait moins facile forcément ouais. voilà je, je saurais te dire de quoi ça parle mais alors traduire littéralement euh, un ouais. scénar un scénar un scénar un peu plus écrit de manière plus complexe là J'aurais du mal. Donc, quelque part, Cosmosor, c'est très bien pour moi. Mm. Peut-être que suite à mon expérience de Cosmosor, je, je serais peut-être aussi un peu plus à l'aise sur, sur éventuellement d'autres projets. Mais ensuite, lorsque, y a, y a, y a, lorsque je m'attaque à un niveau d'anglais un, un peu plus, un peu plus, un peu trop pour moi, je n'hésite pas à faire, à mettre quelqu'un de, de vraiment pro sur le coup. Ok, bah super. Bah écoute, euh, j'espère vraiment avec tout mon cœur que ce financement participatif euh, donnera les meilleurs scores possibles. Donc il est le 18, euh, et donc le 18 octobre, donc c'est tout ça bientôt là. C'est bah, mercredi. Ouais, ça, ça commence, commence mercredi. mercredi, je te cache, je te cache pas que là, moi je commence à claquer des, des genoux là. <laughs> bah on va, on, on va, on va relayer tout ça, mais je pense que c'est voilà, un, un projet d'Indé et c'est un projet très original qui qu a jamais, ah, C'est du jamais vu. C'est euh, quelque, quelque chose sur lesquels quelque part, je, je compte aussi beaucoup. Mmh. Alors, quand je dis que je compte beaucoup, c'est non pas que j'ai compté là-dessus en, en amont hein, avant de proposer ça, mais il se trouve qu'il y a, y a tout qui va dans ce sens-là, dans le lancement mmh. de, de ce projet. Euh, le côté waouh, il, euh, il est quelque part dans, dans la continuité de la maison d'édition qui continue à, à proposer et à lancer des, des petits projets. Là, d'un coup, on lance euh, un, quelqu'un qui a déjà sa petite réputation. Donc, euh, quelque part, euh, ça va peut-être aussi nous, nous, nous aider ouais. dans, dans ce sens-là, ou qui lance un, un jeu, ah, puis, un jeu euh, qui est je totalement te... ovni dans le, dans, dans le milieu du, du JDR tout court. Bah, euh, le côté ovni que... va, va être important, mais je pense que la qualité de ce que tu proposes pour le pack euh, VF est quand même très, très cool. L'écran le scénar est potentiellement après en fonction des financements le roman c'est quand même un super pack français quoi vraiment donc euh, c'est vrai que pour le coup je pense que ça peut offre, toucher hein. ça, ça peut toucher les gens ça peut les faire se dire ah ouais, ouais. Euh, cool euh, et je... on va voir mais j'y crois <laughs> on, a en, on a en plus bien sûr un petit système d'options où il y, y a des gens qui sont des lecteurs sans être joueurs donc ils pourront aussi avoir le, le livre hors, hors jeu donc s'il y a des gens qui sont ne serait-ce qu'intéressés par la lecture d'Alexandre Sanchez pour tout à fait lire, lire son ouvrage sans avoir un livre qui les enfin, un livre de règles, un livre de jeu qui les intéressera pas et j'en profite pour faire le coucou à Lazare Barouk qui vient de nous rejoindre, que tu connais aussi euh, depuis, depuis quelques années. Euh, C'est Cédric Chayol hein, qui, qui est là. Coucou dans Cédric. Je le... oui. te fais le coucou. Elle magnifique avec sa casquette rouge. <rire> <rire> bah, en tout cas, ici, on va poursuivre parce que moi, maintenant, j'ai envie que tu. Parce que c'était la deuxième question, je t'ai dit j'en avais deux. J'en ai une autre, j'aimerais bien que tu nous dises. Euh, vu vu l'heure, je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter euh, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, bah, un petit peu. Qu'est-ce que constitue euh, le livre? Donc, en gros, quels sont les, les grands chapitres, les grandes parties du livre? Et si la meneuse euh, ou le meneur euh, de jeu bah, se procure le bouquin, en gros, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Et, euh, et quelle, euh, bah, quelle partie euh, de livre euh, il va exploiter? Et puis, euh, voilà, en gros, quelle est la constitution générale de l'ouvrage et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Alors bah tu vas trouver déjà euh, qui est ton Cosmosor, qu'est-ce qu'il fait, quel est son but. Euh, ça va t'expliquer, ça va te résumer en gros l'ossature le, le, du jeu. Hein. Donc, il va, tu vas trouver noir sur blanc les explications comme quoi les Cosmosors font partie d'une force d'élite de justiciers qui vont donc euh, qui naviguent à travers tout le, toute la galaxie pour aller euh, lutter contre toutes les menaces euh, qui peuvent peser sur les libertés. Tu vas trouver euh, comment le créer ce Cosmosor. Tu vas trouver comment, euh, bah, bien sûr, comment on joue le système principal. Donc, tu vas avoir toutes les, euh, les notions de difficulté. Tu vas voir tout ce qui, l'explication de tout ce qui est les badates et les goodates, euh, tout, tout le détail de la de, de la fiche de perso tu vas avoir euh, toutes les tables aléatoires qui vont qui vont être euh, totalement détaillées et euh, toutes les tous les conseils d'utilisation. Euh, tu vas aussi avoir tous les ennemis qui euh, qui sont qui vont être aussi détaillés avec leur propre table aléatoire parce que mettons que sur sur un ennemi qui a qui a principalement en fonction de, de cet ennemi-là, il va avoir six envies, six formes de menaces particulières. Donc tout ça c'est sur 6 pour euh, être lancé avec du D6 hein. Donc euh, tout ça c'est lié à partir de de chaque ennemi et euh, à partir de là, tu vas avoir vraiment toutes les, les clés en main pour, pour, faire, pour faire tes, tes scénarios ou, ou appliquer les tiens avec toutes les, tous, les conseils, tous les conseils de tenue, entre guillemets, qui vont, qui vont être fournis. Ok, super. Et alors du coup... Oui, ça me, pas penser, ça me fait ouais. penser qu'il y, y a un petit truc que j'ai un peu oublié de dire tout à l'heure aussi sur le système. Donc, tu le, bon, je, 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 je reprends le, je reprends le, le paragraphe, même s'il est déjà fini. Mais euh, lorsque tu lances ton, donc ton, ton G, donc c'est la face la plus haute qui prime. Et, euh, j'ai pas parlé du système de critique qu'il va y avoir dans, dans ce jeu. Ah. Le système de critique, je voulais venir dessus parce qu'il est vraiment euh, rigolo. Et c'est quelque chose qui fait toujours son petit effet. Tu fais un critique au partir du moment où tu fais au moins 2 six ou plus. Donc euh, là, là où plus tu fais de 6 et plus en gros tu vas pouvoir faire des choses avec ton critique, tu vas pouvoir l'utiliser de trois manières différentes. Ou tu vas pouvoir te mettre un 6 de côté à toi pour ta prochaine action, ça sera automatiquement un 6. Ou tu vas pouvoir utiliser un autre 6, tu vas le mettre de côté pour quelqu'un de ton équipe, ça sera automatiquement un 6 pour sa prochaine action à lui. Ou, et c'est là qu'il y a un truc que j'aime beaucoup et que les joueurs euh, ont toujours apprécié. Euh, c'est que tu peux aussi utiliser euh, tes 6 euh, pour l'action euh, présente pour prendre la narration sur le, le MG ah, pour l'action la, cool. pour la, pour du moment. Ah, ça, c'est trop euh, bien Typiquement, on est dans le laboratoire secret des brocoloïdes, et euh, les, joueurs, euh, les joueurs se battent contre un champignon mutant euh, qui, a, qui a muté, et euh, le, le, joueur, le joueur fait une esquive suite à une attaque de, de tentacules radioactives, il fait euh, donc un double 6, un critique sur, sur sa roulade, et bah, dans ce cas, le joueur décide de, de garder... Euh, son 6 pour prendre la narration, et bah, il décide de tomber euh, nez à nez avec euh, une boîte avec un, un lance-flamme dedans. Et bien sûr, lance-flamme chargée, donc euh, bon, bah, là, <laughs> le MJ, n'a plus qu'à Il n'a plus à qu'à ce... cuire les, broco les brocoloïdes qui, 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 qui finissent en, en légumes vapeur, quoi, en gros, c'est ça le truc. <laughs> c'est <c> ça, <laughs> comme, comme j'aime. <laughs> c'est trop euh, cool. Le, les, les joueurs euh, sont généralement très très fans de, de ce côté euh, prendre la narration sur la MJ parce que ça leur permet de s'approprier encore plus la scène et de non pas jouer leur perso, mais ils s'approprient la scène en, en personnalisant leur, leur propre action. c'est pas juste euh, j'attaque. Voilà, c'est pas juste j'esquive, je, je mets un coup, je, je fais un saut sur le coup, C'est ah oui, mais j'esquive, mais je, je l'aurais décidé, donc c'est moi qui l'applique, de, de, de faire un trou dans la coque et de, de faire partir l'ennemi le, comme ça, tu vois. Bon, alors le coup, de, le coup du trou dans la coque, peut-être pas parce qu'il n'y aura pas que l'ennemi qui va partir, mais euh, le fait de donner cette possibilité aux joueurs de s'approprier totalement la scène et ensuite de devoir faire que le MJ s'adapte par derrière, euh, c'est quelque chose d'énorme et à table, ça fait toujours son petit effet. Trop cool. Eh ben, que de qualité dans ce dans ce jeu. Moi, j'ai très hâte de, de, de voir tout ça tourner. C'est super. Alors, est-ce que est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Vinso Parce qu'on a déjà dit pas mal de trucs. On est à une heure et quart à peu près d'émission. Bon, en général, c'est ce que j'essaie de d'avoir comme timing pour. Que les gens ils aient envie de voir le, le replay et la rediff aussi, parce que d'expérience, je sais que si c'est trop long, ils il décrochent. Est-ce est que vrai. tu veux ajouter un, un truc Est-ce qu'il est qu y aurait un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble qui te paraît important à propos de Cosmosor euh, ce soir Alors, bah, pour le coup, c'était les critiques que je viens de mmh. dire depuis tout à l'heure. Euh, non, j'ai oublié de dire les critiques. fallait le, fallait le mentionner parce qu'il me semblait que c'était assez, assez important au niveau des règles et que euh, ceux qui ne le, le déjà, qui ne savaient pas, bah, maintenant euh, savent qu'il y a, y, a, y a ce petit moyen de, de prendre, de kidnapper quelque part le rôle du MJ le temps euh, le temps de la scène en cours et euh, non sinon je pense qu'on a fait euh, qu'on a fait à peu près le tour de tout donc sauf euh, si tu as une question de dernière minute et eh ben écoute euh, ouais je, 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 je pense quand, quand est-ce que tu viendras faire un, un actuel play avec nous de, de cosmos il faudra, il faudra qu'on en qu'on en prévoit hein. moi je trouve que c'est très fun et ça pourrait changer un peu de nos habitudes et je, je pense que ça pourrait beaucoup nous plaire donc euh, bon, on répondra pas là mais je il faudrait qu'on en fasse un. Ça serait assez cool qu'on arrive à trouver ce temps. Du coup. Quand tu veux. Quand tu veux. <laughs> on, et en parle, on en reparlera après, on se trouve une date. Et euh... Bon bah super. Bah, je pense que ça va être ça. En plus, euh, ouais, je, 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 je vois bien euh, ce qu'on pourrait traiter comme sujet qui pourrait être intéressant euh, sur notre chaîne autour de, de ce jeu. Ou, ou même, comme tu disais, euh, Mel Brooks tout à l'heure, moi je t'avoue que l'idée de, de faire une parodie d'un d'une grande fresque épique galactique euh, avec cette version-là pourrait pourrait pas mal euh, nous amuser donc ouais, je pense mmh. que ça arrivera je sais pas quand parce qu'on a déjà des épisodes de, en, dans les tuyaux et dont Halloween qui arrive et sur la chaîne on va faire un truc spécial là aussi pour Halloween mais dans peu de temps je pense que euh, on, on fera ça on va bah, on va rappeler aux gens donc euh, le financement participatif de Cosmosor pour la VFC sur Game on top Game on tabletop pardon à partir du mercredi 18 octobre, euh, combien de temps va durer la préco, enfin la, le financement du coup, quinze jours ça, ou... ça va durer un mois. Donc euh, mois. ça va durer du 18 jusqu'au 20 novembre, je crois. Euh, et puis à partir de là, on va vraiment compter très fort sur vous parce que ce sera vous qui rendrez ce projet possible. Euh, nous, nous de notre côté, on veut bien avoir des idées, et, euh, proposer des proposer des produits intéressants, mais euh, tout ça, c'est pas gratuit, ça se budgette et ça se finance. Et euh, là, c'est là où vous entrez en jeu. Donc euh, on va compter sur vous et euh, rien ne sera possible sans vous de bah, toute façon, on va relayer tout ça même de notre côté sur euh, notre commune, sur euh, nos réseaux, euh, voilà, on va on va porter le projet aussi de notre côté. Euh, bah voilà, nous euh, dès qu'on a des indépendants euh, qui, qui qui ont des trucs cools, on essaie d'en parler. Enfin moi j'essaie d'en parler. C'est c'est vrai que je parle pas euh, très 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 souvent de projets parce que bah, j'en vois beaucoup de gros qui sortent. Là ces derniers mois, euh, je fais particulièrement attention à mettre l'accent sur porter les projets des plus petit, on va dire, et voilà, ça me tenait à cœur, car comme chacun sait dans ma commune, je suis absolument dingue de dinosaures, comme toi. Euh, donc, euh, du coup, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Ce C'était pas possible. Je, je connais les répliques de Jurassic Park par cœur en anglais et en français. Euh, le script, je, je le connais. Euh, je, je pense que c'est le film que j'ai vu le, le plus de fois de ma vie, et, et il en va de même pour tous les dessins animés de dinos que quand j'étais gosse. Et il en va de même pour euh, pour, tout, pour euh, Dinotopia, je suis une énorme fan de Dinotopia aussi. Donc euh, voilà, Cosmosor ne fait que s'ajouter à la suite logique euh, de mes intérêts. Donc, euh... Le petit, le petit dinosaure, la vallée des merveilles. La vallée des merveilles. Petit <laughs> pied, bien sûr. Petit pied, c'est rare. Ouais. Euh, ouais, ouais, non, mais moi, je suis très, très dino. Donc, euh, donc très heureuse de voir ce projet se porter en français. Merci beaucoup on va faire des bisous euh, aux gens franchement ce projet pour moi c'est vraiment un honneur de le, de le porter parce ah bah, que depuis, ouais. euh, depuis que j'ai euh, vu ce, ce jeu passer j'ai vraiment un gros coup de cœur perso donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment pour moi une aventure bah personnelle euh, c'est euh... très communicatif quoi. quand t'en parles on sent que tu es passionné et que tu le fais vraiment parce que le jeu te plaît et que c'était avant tout parce qu'il te plaît euh, que tu veux le traduire donc c'est trop agréable en fait euh, tu, tu, tu le vends très bien mais on sent que c'est pas du tout commercial on sent que c'est <laughs> Parce que juste tu le kiffes et tu as envie qu'il existe en français, point barre quoi. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais. <laughs> et ouais. Et ouais, c'est trop bien. Bah Web, ouais, bah Yves dit qu'il est que t'es très communicatif. Apparemment, il s'est éclaté à la table quand il a quand il a essayé et euh, le jeu. Et lorsqu'on est à table, lorsqu'on est en cours de jeu, moi, je crois que j'ai au moins une ou au moins une ou deux anecdotes particulières à raconter par équipe de jeu, tellement les les joueurs les joueurs s'impliquent dans dans ce que je leur propose et euh, et qui me on en 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 vient à des situations. Mais... Je, je, je saurais même pas par quel bout te, 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 te décrire te décrire les choses, mais euh, entre des joueurs qui, qui me qui me font des des euh, des tasers sur les sur les cornes du tricératops euh, entre. <laughs> <laughs> chaque, chaque chaque équipe me me fait t'inventes des fait son trucs incroyables voilà ouais. c'est pas moi qui le c'est pas moi qui le c'est eux et en, dans la mesure où en plus ils réussissent leur leur G il euh, y a j'ai absolument rien à dire pour les laisser les s'exprimer laisser, laisser quoi même quelque part je, je 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 rebondis sur leur sur leur sur leurs idées typiquement l'autre fois j'ai un groupe qui m'a fait qui se battait contre un contre un gros monstre euh, mutant et il euh, y a un joueur qui qui me dit bah tiens là je vois une seringue avec un produit euh, bah je vais le prendre et puis je vais l'enfoncer dans le dans le dans le monstre et puis ça, vu que c'est un produit euh, vu que c'est un produit chimique ça va sûrement le faire fondre ou quoi bon bah je l'ai laissé faire il a pris son produit il l'a planté et euh, juste après il bah, y a un autre joueur qui trouve la doc technique du produit et euh, juste vu qu'il s'était amusé à faire euh, à faire ça et bah, sur la doc technique je lui ai dit bon bah sur ce produit euh, ne surtout pas lui enfoncer euh, au monstre ça va décupler sa force ah trop cool voilà, Donc il voilà, voilà. avait des petites surprises et... voilà <laughs> Bon, bah les gars, j'espère que vous êtes motivés, les gars et les filles là du chat, les Dino Girls et les Dino Boys du chat. <laughs> bah, du coup, Boom dit qu'en ref, il avait euh, Dino Crisis sur PS 1 évidemment, bien sûr, aussi, il, toujours. Il est génial. Il est génial. Perso, et je, je... préfère le 2, mais le premier est très bien. Et je ne peux que, et je ne peux que être d'accord avec Alfonso de Porto qui dit Dinosaurs Hitman Woman in inherit C'est littéralement un de mes tatouages. Euh, C'est littéralement un de mes tatouages. Euh, J'ai cette citation euh, du, du docteur Elie Sattler sur moi. Génial, <laughs> <Donc>, euh... <laughs> génial. Voilà, euh, la série dinosaures costumée. Ah, tiens. Toi, tu, je sais que tu as un costume de dinosaure. Ah, oui, oui. Euh, Moi-même, moi je serai costumé. D'ailleurs, s'il y, si y a des gens du 06 par là, je serai donc en festival le week-end prochain, les 21-22 à Montsartou. À Montsartou, ah, oui. Okay. À, à Montsartou, donc au festival Replay, qui à la base, c'est surtout du rétro gaming, mais c'est aussi du rétro tout court avec plein de références gaming et, ré et rétro de, de l'époque des années 80-90. Et je serai là pour faire du JDR, faire du Cosmosaur, bien sûr. Et euh, donc, si vous voulez me chercher, euh, vous, vous trouverez le, le dinosaure qui se balade partout vous avec en, Vous trouverez un dinosaure, ouais, en gros. <laughs> si vous me cherchez, c'est le... moi le dinosaure. <laughs> c'est ça. Et donc, le dinosaure avec un gros flingue. Et je précise, non pas le, le gros dinosaure avec un flingue. Euh, bon, <laughs> très bien. Ben écoute, merci beaucoup, Vinci. C'est très cool de t'avoir reçu. Pour la tradition, je vais officiellement saluer un par un les spectateurs qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Donc il y a toujours Oriana, Ella, Violette, Hadès, Alfonso des Portago, qui est un fidèle, hein, qui vient de nous voir souvent. Alice Cedra, Boum, très fidèle aussi, qui est dans notre communauté. Cosmic Soap, Drapsnat, Catwalt, Booba, Lazar Baruch, du coup. Spofo, je crois que je ne te connaissais pas encore, sois le bienvenu et à bientôt. Tortugeniard, Uern, Vemic et Web, Yves, et eh bien écoutez. Merci, à, merci tous. à vous. Merci à vous. Merci, Vinsou. Rendez-vous le mercredi 18 octobre pour le lancement sur Gamon donc du financement participatif de Cosmosor. Regardez cette émission en rediffusion. Nous, on va la diffuser <laughs> évidemment sur les réseaux sociaux. Ah, comme, le, comme le dit Booba, euh, eh bien dépensez sans compter pour le, pour le financement participatif. <laughs> C'est le moment. Le moment ouais. <laughs> on va se remettre le petit générique de fin. Moi, j'ai fait de gros bisous. Ciao tout le monde. Merci Lino, à bientôt tout le monde. À bientôt, ciao, ciao. Attention la musique, c'est parti. C'est le <laughs> Dino dubstep. <laughs>